Bien-aimés de la vie des saints, aujourd'hui 28 novembre, l'Église célèbre la mémoire de Saint Jacques de la Marche, prêtre. Jacques Gangala est né en 1391 dans la Marche d'Ancône en Italie et a donc été surnommé de la Marche. Bien que d'origine modeste, il a pu fréquenter l'université de Pérouse et a obtenu le titre de docteur en droit. Cependant, après une brève période d'enseignement, il renonce au monde pour devenir frère franciscain. Il a été ordonné et pendant 50 ans, il a prêché la foi à des milliers de personnes, à temps et à contre-temps. Avec Saint Jean de Capistrane, il a lutté avec acharnement contre la secte rigoriste et hérétique connue sous le nom de Fraticelli et a contribué à réconcilier les hussites modérés avec l'Église lors du Concile de Bâle. Partout où il allait, Jacques était une figure lumineuse de la sainteté et de l'apostolat franciscain. La ferveur et la puissance de sa prédication étaient telles qu'il aurait converti 50 000 hérétiques et d'innombrables pécheurs, dont 36 prostituées, en un seul sermon sur Sainte-Marie-Madeleine. Il a voyagé dans toute l'Europe en tant qu'ambassadeur des papes et des souverains, dormant peu et priant beaucoup. Son amour pour les pauvres l'a conduit à créer des monts de piété où il pouvait emprunter de l'argent au faible taux, une activité qui a été rendue très populaire par son protégé Saint Bernardin de Feltre. Malgré un programme de vie vigoureux, des pénitences rigoureuses et une activité incessante, Saint Jacques mourut à l'âge de 85 ans le 28 novembre 1476. Prions. Dieu, tu as fait de Saint Jacques un illustre prédicateur de l'Évangile pour sauver les âmes et ramener les pécheurs de la fange du péché sur le chemin de la vertu. Par son intercession, puissions-nous être purifiés de tout péché et obtenir la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Saint Jacques de la Marche, priez pour nous. Tous les saints et saintes de Dieu, priez pour nous.